J'en appelle donc à tous les électeurs du Front National, en cherchant en réalité à susciter les conditions de sa ruine. Après la sanction de la justice, Marine Le Pen se disait totalement ruinée. Mais elle va récupérer 1 million d'euros. Alors dessiner Marine Le Pen, c'est pas facile. Cabu, Coco, Large ou Luz proposent des versions totalement différentes. Alors moi, je pars sur un nez avec l'arcade assez fine, mais le bas du nez est large. Les yeux sont petits, avec des sourcils très féminins. Les pommettes sont apparentes. Et on ajoute une dentition très présente, avec des dents très apparentes. C'est son côté carnassier. La mèche de cheveux qui cache la moitié du front national. Et le menton qui descend peu et qui est très carré. Pour les besoins du dessin, je la représente en SDF. Donc moi, les pleurnicheries de chochotte comme ça... C'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc. On a fait un faux trait. Je trouve ça quand même assez bon. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un pépier de noir sur mes yeux. Par habitude. Et face à elle, celui qui lui rend l'argent, bah j'en fais un personnage simple, sans caractère particulier. Mais cette Marine Le Pen, elle est très compliquée à dessiner parce qu'elle est à la fois féminine sur certains traits, mais en même temps très masculine. On ne sait pas trop comment l'aborder. Cabu, on faisait carrément un Jean-Marie Le Pen au féminin. Et chacun l'aborde un peu différemment. Et voilà, le dessin est terminé, on le met en couleur. Et maintenant, cette Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle va faire de ce million d'euros ?